Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, nouveau vlog aujourd'hui, et pas n'importe lequel. On part en vadrouille, on va à Lyon très précisément, on va assister au match 5 des finales de Betclic Elite entre l'ASVEL et Monaco. On va vous faire vivre ce périple, ça va être incroyable. On va aller à l'Astrobal, on est super bien placé, on a fait la queue pendant 2 heures sur internet, du moins j'ai fait la queue pendant 2 heures sur internet, donc ça va être incroyable. Si vous aimez les vlogs, je vous l'avais promis, je vous l'avais dit que ça allait revenir, un like pour le référencement, le commentaire pour la visibilité. Là on est à 2 heures de Lyon, on arrive très bien. On fait une petite pause avant d'arriver à destination. On espère voir un gros match tout à l'heure à l'Astrobal. Je vous l'ai dit, je suis aussi accompagné de mon micro, mon nouveau micro que je viens d'acheter. Et là, j'ai des copains qui sont venus. Là, on a Feno. Ça va ou quoi, tranquille? Ça va, tranquille, on est là. Ah, t'es prêt pour voir le match? Pressé, pressé. Tu supportes qui entre les deux équipes? Le Valois. Ah, de base, on se parle tous sur un Discord et tout. Et on s'était dit, il fallait qu'on se fasse ce match tous ensemble. Et là, il y en a un troisième, officiel de table de Marc de Rouen, Escroc d'Or. Comment ça va? T'es pour l'ASVEL ou t'es pour Monaco? Le Rouen Métropole Basket. Bon, vous le voyez, je suis entouré de BasketX. Donc on y va en neutre, on y va en neutre. On est bien accompagné, il y a des connaisseurs avec moi. Là on fait la route, il reste encore 2 heures de route. Et on va surtout passer un bon moment ensemble et on espère vraiment voir un gros game. Ça y est, on est arrivé à l'ASVEL. Enfin, à l'ASVEL. On est arrivé dans la salle de l'ASVEL. On est à Villeurbanne, là. On arrive petit à petit dans la salle. Trophée est là. Vous le voyez. On a même récupéré notre t-shirt LDLC. Du coup, ce soir, on est obligé de supporter LDLC, vous le voyez. Qui de Monaco, qui de l'ASVEL remportera le match, le trophée? Sincèrement, on est à Lyon, on est à l'ASVEL. On aimerait bien que l'ASVEL remporte pour qu'il y ait la fête. Ça y est, on est en bord de terrain. L'échauffement est en cours là, vous le voyez. Il y a Antoine Dio, David Laetti qui sont en train de s'échauffer. Le match commence à peu près dans 35 minutes. Il y avait tout à l'heure Mike James, Yakuba Ouattara. Mais petit à petit, la salle se remplit. Les hostilités vont pas tarder à commencer. On espère bien évidemment un gros gros match avec une victoire de l'ASVEL, mais ça faut pas le dire trop fort. Et si c'est possible, une prolongation. Hein? On est bien placé, vous l'avez vu. Là, on a les pieds sur le parquet avec Escroc. Là, on est très bien, on voit toute l'action, on va voir tout le match, ça va être incroyable. On est à côté des supporters, ça va être une ambiance de ouf. Thank you.
Et j'ai rencontré un abonné, enfin un abonné, c'est aussi un streamer. On l'appelle l'ami Béfour. Ça va ou quoi? Ça va, tranquille, hein, tranquille, on est là. Hein. Toi, t'es venu d'Avignon, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, je viens d'Avignon, je suis venu vraiment loose day. J'ai vu le match mercredi, j'ai dit, ah, c'est bon, faut que je vienne. C'est un gros final, gros match, gros joueur. Pronostic pour cette deuxième mi-temps? En vrai, vu le début de match, j'espère juste que My James ne prend pas feu. Et dans le doute, je veux dire l'Asvel parce qu'on est à domicile, quoi. Ouais, enfin, t'as dit, on est à domicile, donc en gros, t'es lyonnais, quoi. Ouais, on va dire que je suis lyonnais ce soir. Ouais. Pas trop deck de la non-montée d'Antibes cette année? Ouais, j'ai vu. En plus, j'ai vu le match en direct, un peu déçu, mais ouais, c'est parti remis, ça reviendra. Y a pas de souci pour ça. C'est le dernier carton, l'Asvel mène de 2 points. Qui va gagner, tu penses, escroc? Bah, l'Asvel, ils ont quand même l'avantage d'avoir la salle avec eux, mais Monaco, ils sont en train de faire un sacré comeback. Hein. Décisif.
Et ça fait plaisir, on est venu là, il fait 2000 degrés, on va aller soulever le trophée les frérots, on va le soulever le trophée. William Howard, gros collectif, on perd moins 7 dans le quatrième quart, à la fin, on revient, on va chercher la prolongation, en prolongation, énorme, même moi j'en peux plus, je suis KO, et j'aurais pas supporté un overtime de plus. Donc. Ah, il a récupéré la chaussure de Wembanyama. Chose du combien? Ah ouais, non mais... Bon, mais regarde, non, tranquille. Faire juste chose du combien? Prends la carte. Ah, chose du 54,5. Ah ouais, c'est chaud. Eh, hey, tu la revends dans 20 ans, tu te fais un million. J'ai plus de batterie sur mon appareil, mais vous l'avez vu, l'ASVEL est champion, c'est le triplé pour l'ASVEL, 21e titre. La communion était incroyable. Hein. Vous avez vu Wembanyama, Eli Okobo, Tony Parker, David Haiti, c'était incroyable. On aura eu vraiment un gros match qui est parti en prolongation, franchement. On ne pouvait pas rêver mieux pour ce déplacement furtif à Lyon. Ça y est, c'est l'heure de quitter Lyon. On aura vécu une soirée incroyable avec Megafeno et Escro. Là, on voulait manger un tacos, mais il est minuit 37. Du coup, le tacos est fermé. On va s'arrêter au McDo et on va tracer. On a fait un aller-retour express jusqu'à Lyon pour voir la finale. Et on va faire un aller-retour express du coup, bah, pour repartir. On mange en partant. Et on va repartir. En tout cas, c'était hyper lourd. J'espère qu'on pourra se refaire ça. J'ai même croisé des abonnés, donc c'était incroyable. Croiser des abonnés. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog. En tout cas, j'ai plus de batterie dans mon autre caméra. On se retrouve très bientôt pour d'autres vlogs et d'autres vidéos. Portez-vous bien, le pouce vers le haut. J'espère vraiment que ce vlog vous aura fait kiffer. Faites gaffe à votre boss, comme on dit chez moi. God bless. Peace.